Ok, on va balancer le prochain BO3 entre Dexter et Glyph qui sort héros parce que j'ai pas vu ce qu'il a dit. C'est pas grave. On va voir. Mais c'est vrai que dans la miniature, il va y avoir héros. Ça va être rigolo. Demain, je vais m'amuser avec les miniatures. Demain, j'ai tellement de choses à faire. Oh là là. Tellement de choses à faire. Format DSD, mais non, pas format DSD. Dommage, ici, on n'aura pu punir plus fort que ça. Et Dexter, du coup, qui va partir sur son Falcon. On est pas trop. Smash Hill, par contre, c'est encore une fois pas la bonne map. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on passe sur Smash Hill, mais y a rien. Y a rien de bien. Allez, contre les honneurs, c'est peut-être mieux. Genre les honneurs, genre les robes, les packs, les choses comme ça. Un truc comme Belmont, c'est un peu chiant. Oh, dommage. On a voulu faire, ça n'a pas passé. On a voulu faire et ce n'est pas passé. 79% sur Glyph qui a quand même l'avantage. Hein. C'est vrai que le match-up, il est pas archi dur. Il faut le respecter. Falcon, t'as la mobilité, il faut la respecter. Mais sinon, il n'est pas archi dur le match-up. Genre, il n'a pas de portée. On le traîne sur ce qu'on veut. Zapple, ça le tue, tu vois. Ouais, c'est ça le délire. Oh, bien vu le F-tilt. Là, on a un petit peu délay. Et paf, on a touché juste derrière. C'était bien vu. Du coup, Glyph qui a bien l'avantage là pour l'instant. Ah, peut-être quelque chose. Non, rien du tout. Wallonie qui a été lâché dans le neutral. C'était bien vu. Allez, accélératel ça. Et Glyph qui a entendu qu'il fallait faire accélératel. Du coup, il fait accélératel aussi. Moi qui sais pas F-tilt. Moi je sais pas F-tilt, non. Non, j'ai des difficultés. Mais maintenant je sais, hein. C'est stick qui bug. Oui, aussi, oui. Bien vu. Ah, par contre, le Kaboom, ça a gimp là, mais ça a gimp comme Jaja le Kaboom, mais on est d'accord. Hein. Une stock d'avance entière pour Glyph, hein, qui s'en sort super bien sur son héros. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Apple qui est bien trouvé, ça met 35. Ah, le neutral qui est bien vu, dommage. Oh, on aurait peut-être pu tenter un donner là, pourquoi pas, pour finir la game en beauté. Bah voilà, exactement, en fait, finir la game en beauté. Ah, bah c'était cool. Ah, j'apprécie voir du héros un petit peu plus neutral. Pas mal, j'apprécie. En plus, solo, regardez, hey, l'épée zénitienne, est-ce qu'elle est pas stylée au bout d'un moment là, l'épée zénitienne? Trop classe. 1-0 pour Glyph. Ce spam de kick. Ah bah après oui. Peut-être solo. Non mais ouais, trop incroyable. Hein. Trop BG, ouais. XK, où es-tu? Y'a que l'épée qui est stylée. Non, y'a le bouclier, même solo qui est stylé. Hein. Ok, ça part sur Villager. Villager, c'est comme Marie, hein. Baron, c'est fini. Villager, c'est comme Marie. Bounce et c'est terminé. Là, par contre, c'est vrai que sur DF, ça va être un petit peu. Oh, il y avait plus de saut. Dommage, on revient quand même. Allez, là, faut trouver vite quelque chose de la place, de l'espace. C'est vrai que de la façon dont jouait Glyph, si s'adapte pas très très vite dans le matchup, ça va être plus compliqué. Parce que en soi là, comme ça, on se fait harceler. Mais dès que Bounce il est là. Allez, Bounce. Non, c'est foiré. Non. Ah, l'horreur. On aurait pu tellement s'amuser pendant 12 secondes là, mais au rire. Hein. Ah là là, dommage. Ah bah du coup forcément, c'est à toi que le gyroïde. On a tué le gyroïde, mais comme jamais. Hein. On a tué. Non mais il y avait Bounce encore. Oui, le bouclier du héros des fois c'est pas mal. Hein. Ok. On trouve un air ceci dit, on a quand même l'avantage. Hein. Bien joué le heal là. Quand tu peux gratter, tu grattes. Hein. Bounce. Voilà. Et là, on rigole. Là, il peut nair. Il peut upper donner. Il peut.
Il peut grab effectivement. Il peut pas gyro, non. Il peut down tilt. Enfin, il peut faire tous ses tilts, mais par contre, niveau de ses projos, il y a plus de side B, plus de F smash. Ah, vraiment relou Bounce pour ça. Bien vu le Forerunner qui va prendre la stock. Toujours Glyph qui a l'avantage, hein. Toujours Glyph qui a l'avantage. Merci. Ah, sympathique le pseudo. Tartare de Zigounette. On apprécie. Accélérateur qui est trouvé là. On est bien. Ah, oui. Bah, du coup, il peut encore se repérer parce que là, il brille un petit peu en vert, mais. Oh, bien vu ça. Ouais. Oh, bien vu. Super bien vu. Excellente phase de Glyph. Là, vraiment, on a proposé d'abord le souche pour Sage Pack. Et derrière, vu que ça revenait, gros donner. Ça, c'était très, 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 très belle phase. Mais Glyph qui a traîné un héros, comment ça se passe? Ah oui, on peut pas shield grab avec Villager. Hein. La plupart des moves, c'est impossible de shield grab. Hein. Ok. C'est en bon spacing, ça, en plus. Hein. Il cancelle bien les menus, hein, quand il a plus le temps, il en fait des safes, c'est bien. Tu vois, là, il prend pas de risque. Zapple ici. Ouf. Ouais, ouais. Ouais, tu vois que Bang il a pas servi à grand chose. Hein. Oh la tornade d'Alexandre. La tornade d'Alexandre. Il se sacré plus. Non, vraiment, insane. Ok. Ouais, le Bang, c'est encore une fois qui va très 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 utile. Surtout au ledge. Hein. Au ledge drop fair pour Villager, c'est incroyable. Du coup, avec Bang, voilà, en plus, le Giro, tu peux aller dedans comme tu veux, t'en vas les couilles. Non, vraiment, la Glyph qui a été on point sur les deux games. Ça fait encore un 2-0. Et non, vraiment, incroyable. Incroyable. Bien vu. Du coup, je coupe le record là-dessus.